Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, je jardine au Québec. Aujourd'hui, c'est le grand moment. Je viens récupérer enfin mes pommes de terre dans la terre. Vous savez, j'ai déjà récupéré mes pommes de terre sous foin et dans un sac de culture aussi. Bon, il me reste une petite zone de pommes de terre sous foin qui n'est pas encore prête. Mais là, c'est le moment des pommes de terre ici. Et on va voir la différence entre des plants justement qui ont été cultivés dans la terre versus sous foin. Aujourd'hui, on est le 16 août, donc c'est le bon moment. Et je sais que c'est le bon moment, pas parce qu'on est le 16 août, mais parce que mes plants, ici, comme vous pouvez voir, ils ont commencé, en fait, ils sont pas mal secs. Donc, vous voyez, c'est sec ici, il n'y a plus du tout de feuilles à la surface. J'ai des plants un petit peu plus loin qui ont encore un petit peu de vert, comme vous pouvez voir. Mais ça commence quand même à jaunir, ils sont pas mal affaissés au sol aussi. Donc, ça va donner des pommes de terre nouvelles pour celles-ci, elles ne sont pas complètement séchées. Mais je pense quand même un bon moment pour venir les chercher. Surtout que j'en ai pas une grande quantité, donc on va les manger assez rapidement. Donc, je vais commencer en enlevant mes tuteurs qui me servaient à les garder bien droits. Et je vais commencer par le bout ici. Je vais utiliser une fourche. La fourche, elle va me servir, en fait, à aller creuser en dessous des pommes de terre, les soulever. Première étape, je vais me mettre des gants. Ce qu'on peut faire avec les pommes de terre, si on veut les faire grossir vraiment plus, quand le feuillage est comme ça, on peut venir couper tout simplement le feuillage ici et laisser les pommes de terre encore une semaine ou deux de plus sous la terre. Il n'y a aucun problème, c'est faisable de le faire comme ça. Sauf que moi, je vais venir les chercher. D'ailleurs, j'espère que le sol n'est pas trop humide, mais il annonce la pluie dans les deux prochains jours. Donc, ce ne sera pas possible pour moi de venir les chercher. Alors, je vais les enlever aujourd'hui. On pourrait tirer dessus, aller chercher les pommes de terre ou aller directement en dessous, puis à ce moment-là, soulever le plant. Moi, j'aime bien tirer dessus parce qu'habituellement, il y a quelques pommes de terre qui sortent, comme ici, par exemple, il y en a une. Voilà. J'enlève le feuillage. Et là, on peut venir voir à la main, creuser, si on aime ça, creuser, trouver des trésors, ce qui est mon cas. J'ai l'impression de partir dans une chasse au trésor. Donc, ils sont encore assez petites, comme vous pouvez voir. C'est peut-être aussi la variété qui est comme ça. C'est la première fois que je cultive celle-ci. Qui sont les fun, bleu fun, je pense. Ça, c'est juste une mode dure. Il y en a une autre ici. Ici, une toute petite. Attends, c'est ça un petit peu. On peut aller voir plus profondément. Aussi. Maintenant, ici. Déjà, un point négatif sous terre que je peux déjà vous dire, c'est que dans une planche de culture comme ça, une planche permanente de 75 cm, ça vient vraiment défaire ton 75 cm, ta planche de culture. Comme c'est dans le sol, il faut aller assez profondément. Donc, c'est sûr qu'il va falloir qu'après que je refasse comme il faut ma butte pour m'assurer que j'ai encore un 75 cm. Donc, ça, c'est un des points négatifs, la destruction de notre butte, de notre parcelle. Donc, je commence tout à la main avant d'utiliser la fourche. On voit qu'il y a de la vie dans ce sol. Il y a plein d'insectes. Tout plein. À date, je n'ai pas vu de pomme de terre qui a été ravagée par des rongeurs, bien que j'avais l'impression d'avoir un trou de rongeurs.
grosses, un petit peu plus grosses ici. Elles sont plus profondes aussi un petit peu. Est-ce que j'étais encore dans les bleus ou je suis rendue dans une autre couleur? On va voir. Encore de la bleue. Une mini. Sur le plus dans le fond ici. Sur le côté où ça défait toute ma butte, justement. De la bleue, encore et encore. C'est dur. Ce qui est dur à me faire avec la bleue, c'est que elle est quasiment la même couleur que la terre. On la voit pas bien. Ah, là, ici, on tombe dans la blanche. J'irai pas plus loin par là pour le moment. Je vais utiliser la fourche pour voir s'il y en a encore de la bleue. Ça me permet d'aller plus profondément, tellement profondément que j'arrive dans mon sable, où à l'époque j'avais du plastique dans le fond, il y a 15 ans, dans le temps que je m'y connaissais beaucoup moins en jardinage et que je faisais n'importe quoi. Je commence à me rendre compte que je pense que j'ai bien fait ça, là, à la main. J'en profite en même temps pour l'enlever, là, les résidus de sac. Donc, j'ai bien défait ma butte, finalement. On va compter les patates bleues. Ah, il y en a une autre ici. Alors, faisons le compte. Ils ont quand même pas mal toutes des beaux formats. Je m'en mets partout. Le plus petit format, c'est ça ici. J'en ai quand même pas tellement. Donc, une, deux. Ouais, ceux sont plus petits. Je vais compter un peu plus grosses pour commencer. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc, on va dire 6 formats que je trouve parfaits, en fait. C'est des bons formats. J'ai pas besoin d'avoir des super grosses patates. Ça sert absolument à rien. Donc, 26 comme ça. Et puis, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 plus petites. Donc, c'est quand même bien pour le calcul de savoir combien j'en ai par plant en moyenne. Je vais vous dire ça un petit peu plus tard parce qu'il va falloir que j'aille voir dans mes documents. Je ne me souviens plus exactement la quantité que j'avais mis de bleu ici. Ah, et je viens de trouver une bleue de plus. Donc, maintenant, je vais aller, je vais le faire d'ici, de l'autre côté ici. Donc, je crois que c'est mes rouges ici. Exactement. Oh, ils ont un bon calibre, hein, les rouges. Vraiment, là. C'est un bon, très bon format. Celle-ci.
Deux qui ont collé ensemble comme ça. C'est spécial. Ici, à Moise, ça, c'est une motte. Il y a l'air d'en avoir beaucoup, honnêtement, pour un plan. Toute petite, une petite minuscule, mais si je laisse là, ça va faire un plan l'année prochaine. Rien d'autre ici. Un autre plan ici. On découvre nos trésors. Oh non. Un petit verre de Topin. On enlève ça de là. Qui me tourne autour. Il y a un insecte qui me tourne autour, qui bisouille près de moi. Est-ce que tu viens en ami, toi? Ah, c'est un bourdon! C'est mon ami bourdon! Dans mes fleurs de tomate. Alors, il me stresse pas trop, lui. Absolument, il est super gentil, mon ami bourdon. Qu'est-ce que tu veux? Bisonneux. Non, on va aller plus loin. Il fait tellement chaud que j'ai l'impression que je vais friser dans pas long. Mes cheveux vont prendre l'humidité et ça va friser. Regarde-moi ça, le beau format. Super, ça. Ah, j'arrive dans mes... Comment ils s'appellent? Les Jazzy à côté. Je veux pas aller jusque-là. Je commence déjà à les récupérer. Je vais les mettre de côté pour tantôt. Pour comparer. Donc, ça veut dire que j'aurais déjà fini les rouges. Est-ce qu'ici... Ah, une petite rouge ici. Parce que là, je suis vraiment, je pense, dans les blanches, ouais. Un petit coup de fourche pour s'assurer. Vous voyez comment je détruis tout sur mon passage. C'est ça dans la terre. Ah. Vous voyez ce qu'on trouve? Ce qu'ils viennent dans la terre, les barbeaux, là. Il y en a un ici. En ce moment, il fait le mort, là. Il veut pas que je me rende compte qu'il est là. Mais je te vois! Non! Allez, je vais aller le mettre ailleurs. Les barbeaux se cachent vraiment profondément dans le sol. Ils se développent dans la terre avant de sortir puis de voler. Peut-être des insectes volants, finalement. Voilà! Finalement, je trouvais que j'avais beaucoup de rouge, mais je pense que j'ai plus de bleu. C'est juste que les rouges sont plus grosses. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, oh, elle a été ravagée. 9. J'en aurais eu 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Donc, 22 de format satisfaisant. Et puis, 5 d'un plus petit format. Voilà! Bon, maintenant, allons-y avec les fameuses Jazzy, mais avant ça, une Bumblebee Sunrise, mes préférés. Ils sont vraiment excellents. Ils sont douces et sucrés. C'est dur à expliquer, mais j'adore ces types de tomates-là. Alors, je vais le tasser pour pas justement briser ce plan-là. Ah. J'ai d'autres tomates. C'est ça, c'est mes stupices. Il faudrait que j'aille les récupérer, celles qui sont mûres, d'ailleurs. J'ai plusieurs récoltes à faire aussi aujourd'hui. Là. Même dans la serre, j'ai bien des tomates qui sont rouges. Je suis en plein dans la période de récolte, là, moi, ici. Les Jazzy. Ah, j'en avais mis au sol, puis je les ai-tu recouverts? Ben, je pense que oui. Ça va bien. Là, ça va bien, ça va bien. J'ai dit, mais où? C'est vraiment falloir que j'écoute ma vidéo pour savoir où j'ai mis mes pommes de terre. Ici. Bon, en fouillant, je vais finir par les trouver. Pour le moment, je vais les mettre là. Alors. Ouais, les Jazzy sont plus petites, mais c'est des formats idéaux. Faire des petites patates sur le barbecue. Ou dans le poêle. Ça, ça va l'autre bord. Alors, on va fouiller ici. Tranquille. Moi, ça... Tu sais, je les avais mis, les petites... Ah! Je suis en train de piler dessus, ils sont ici. Hop, hop, hop! Tu vas vite, toi! Hé, tu t'es faufilé comme... T'es rapide comme l'éclair, toi! Oh! Oh! J'ai pas le temps de vous le montrer tellement qu'il est vite. Voyez-vous? C'est ici. C'est trop mignon. À mes pattes. D'accord. Je te laisse. Bon, on y va. Assez joué. Ah, mais il y en a beaucoup, par exemple. Elles sont petites, mais il y en a vraiment beaucoup plus profondément aussi. Donc, ils ont l'air d'aller plus profondément. Donc, probablement de faire des étages. Donc, il y a des plans indéterminés, probablement, qui le font sur plusieurs étages. Et il y a de la vie là-dedans, c'est incroyable. J'ai l'impression que je ne suis pas chez nous, que je viens les déranger. Beaucoup de ce que chez nous on appelle des bébites à patates. Et que je pense que c'est juste chez nous qu'on appelle ça de même. Je sais pas si vous voyez bien. Cette bébite-là, là. Bébite à patates ou bébite d'humidité aussi, là. Il y en a plein. C'est la folie. C'est une mode dure, c'est une roche. C'est quoi ça? Une drôle de bébite qui a jumpé. J'ai fait le saut. Je m'en attendais pas. Vous voyez ça? Il y a ces petites bébites-là, là, à patate que j'appelle, puis il y a un petit verre ici. Là. Ici, ça a l'air bien, bien vivant.
cette parcelle-là. C'est génial. Je ne vais pas m'en plaindre. Et là, j'ai chaud, vous n'avez pas idée. Je transpire. Il y en a profondément ici, là. C'est incroyable. Et en largeur aussi. En profondeur, en largeur. Voilà. C'est sûr que je vais en oublier ici, puis l'année prochaine, ça va repousser. Bon, je pense qu'ici, il va vraiment falloir que je le fasse avec la fourche parce que c'est profond. Ici aussi. Ça va jusque où? Ici aussi. Il y en a. C'est incroyable. Partout où je regarde, il y en a. Chercher la fourche. Ça, c'est le sable avec un petit peu de sac de plastique. Petite scie, du plastique. Je m'excuse, insectes, de vous tourner comme ça. Je fais ça juste dans mes patates. Seulement, je tourne pas mon sol comme ça. Là, si je veux récolter ce que j'ai semé, j'ai pas le choix. Ouais, même ici. J'ai plus dessus, je pense. Voilà. Donc maintenant, voyons voir la quantité. Donc, c'est des plus petits formats, mais j'y calcule quand même parce que c'est les formats, un bon format pour cette variété-là. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Donc 30 d'un bon format. Et puis 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18, 20. Donc 20, 21 d'un petit format et 3 comme ça là, que je ne vais pas compter qui sont minuscules. Mais en même temps, si je les avais laissés grossir, oh, il y en a d'autres ici. Si je les avais laissés grossir un peu plus, parce qu'il y avait encore le feuillage vert, si vous vous souvenez bien, mais ça aurait quand même donné des pommes de terre. Donc ça serait compté dans le format, dans la quantité plutôt. Voilà. Donc, une bonne quantité à date de pommes de terre pour une petite parcelle. Bon, maintenant, il me reste la variété chaleur des blanches. Ici, là, ce que je pense faire, c'est y aller directement avec la fourche pour essayer de trouver un peu de temps parce que là, j'ai trop chaud. J'ai envie de rentrer boire de l'eau, me rafraîchir avant de poursuivre. Okay. On peut déjà l'enlever. Donc, on y va. On soulève.
Regardez-moi ça, c'est des plus gros formats encore, mais c'est encore lié à la variété. Hein. Je vous répète que selon les variétés, ça donne des formats différents. Ici. On va essayer de faire sortir ça. Parfait. Il y a l'air d'en avoir moins en quantité, mais c'est des plus gros formats. Ce qui est quand même logique. Donc, si on y allait, au lieu d'y aller en quantité comme je fais pour qu'on y allait en poids, mais ça pourrait être équivalent aux autres, malgré qu'il y en ait moins en quantité. Si je veux la détruire, la parcelle, je le sens. Je suis rentrée dedans avec ma fourche ou elle était mangée. Dur à dire, je vais le vérifier quand je vais les nettoyer. Au moins, ça me permet d'enlever du plastique. Ceux qui écoutaient déjà mes vidéos l'année passée, vous savez que j'ai déjà fait un travail pour enlever le plastique là, l'année passée. J'ai refait chacune de mes parcelles en creusant pour essayer d'aller arracher le plastique en dessous pour donner accès directement au sol de base, là, à mon sable en dessous. Pour ne pas limiter la profondeur, finalement, de ma parcelle. Une autre larve de topin. Ça, on ne veut pas ça au potager. Ça détruit nos plants. Donc, on termine cette récolte avec les pommes de terre chaleur. Une, deux, trois, quatre, cinq, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et une minuscule que je ne compte pas, mais des bons formats. Et c'est ce que ça donne. Et on s'entend, ça n'a pas l'air énorme comme quantité. Mais pensez-y. Ce que j'ai eu sur une parcelle de 75 cm de large, et on fait en largeur ici 400 cm, donc à peu près la moitié de la parcelle, donc 200 cm, donc 75 cm par 200 cm. Donc même pas 2 mètres carrés. Et c'est ce que j'ai comme récolte. Donc pour moi, je suis satisfaite. Bon, je vous retrouve quelques jours plus tard après ma récolte de pommes de terre que vous voyez derrière moi. Là, vous avez vu que j'ai fait un petit peu de travail. Il y a des arceaux maintenant qui sont là. Vous allez voir le résultat de tout ça dans mon vlog qui va sortir. D'ailleurs, mea culpa, j'ai pris un peu de retard sur mes vidéos. Vous avez vu, j'ai sorti un vlog le dimanche. Habituellement, je le sors le mercredi. Là, vous allez voir ma récolte de pommes de terre alors que vous devriez avoir un vlog. Sûrement que dimanche prochain, vous allez avoir un vlog parce que c'est ce que je suis en train de faire. Là, je me filme un petit peu dans ce que je fais dans le potager. Alors, c'est un petit peu bouleversé tout ça. On est en fin de saison. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il me reste encore des vacances à prendre. Je fais encore du tutorat. D'ailleurs, les pommes de terre, j'ai pas eu le temps de tout de suite par la suite là, vous expliquer un petit peu le résultat parce que je l'ai fait sur mon heure de dîner entre deux tutorats. Alors, c'est pourquoi je reprends aujourd'hui. On est quelques jours plus tard. Je voulais vous faire cette fin de vidéo un peu plus tôt.
mais je suis partie dans la famille. Après ça, il y a eu 2 jours de grosse pluie. Je ne pouvais pas sortir à l'extérieur, venir filmer. Donc là, je profite d'une petite accalmie. Il y a eu un petit peu de soleil d'ailleurs, là, mais c'est un peu plus frais ce matin. Il y a eu un peu de pluie ce matin. Il va sûrement en avoir encore cet après-midi. Alors là, je le fais, j'en profite maintenant là, pour clore la vidéo. Donc, j'ai récolté toutes mes pommes de terre dans la terre. Je vous ai dit que je vous ferais une comparaison hein, avec les pommes de terre sous foin, savoir les avantages et les inconvénients de chaque méthode, puis vous parler un petit peu de mes résultats. Avant de vous nommer mes résultats, je tiens quand même à préciser que mes pommes de terre sous foin, je les ai récoltées il y a à peu près 2 semaines. Donc, ils ont eu plus de temps dans la terre que sous foin. Donc, ça peut changer sur le résultat, la grosseur de la pomme de terre, mais aussi le résultat en quantité. Parce que si vous vous souvenez bien, dans la vidéo sous foin, je vous parlais que j'avais des toutes petites pommes de terre que je n'ai pas calculées dans mon ombre. Mais si je les avais laissées grossir, j'aurais eu plus de pommes de terre en quantité. Donc, il faut quand même tenir compte de ce petit critère-là. Je me suis pris des notes. Il a fallu que je réécoute ma vidéo pour voir combien de pommes de terre j'avais récoltées de chaque variété. Alors, je les ai notées. Donc, pour mes bleus double fun, les premières que j'ai récoltées dans la vidéo, j'avais 26 quand même assez de bonnes grosseurs de pommes de terre, plus 18 un petit peu plus petites, pour un total de 44, ce qui me fait une moyenne de 11 pommes de terre à ce moment-là par plant, parce que j'avais 4 pommes de terre par variété. Donc, pour toutes mes variétés, c'était 4. Alors, ça me donne environ 11 pommes de terre par plant. Ce qui est bien, je ne peux pas comparer avec sous foin parce que je n'en avais pas mis sous le foin. J'en avais mis seulement à ce moment-là dans le sable. Et dans le sable, ça me donnait environ 5 pommes de terre là, en moyenne par plant. Mais c'était encore là dans mon sable. Ensuite de ça, il y a les rouges Norlin. Les rouges Norlin qui avaient un bon format, si vous vous souvenez bien, dans la terre. Mais il y avait quand même un bon format, pareil, sous le foin. Donc, j'avais 22 pommes de terre d'un assez bon format, 5 un petit peu plus petites, pour un total de 27. Donc, pour une moyenne d'environ 7 pommes de terre par plant. Dans le foin, j'avais une moyenne de 5 pommes de terre par plant que je vous avais dit, sauf qu'il y en avait plusieurs petites que je n'avais pas calculées. Donc, si j'avais laissé plus longtemps, il aurait grossi à ce moment-là et je serais plus à une moyenne également de 7. Je rajouterais environ 2 pommes de terre en moyenne par plant là, pour les Norlin qu'il y avait sous le foin si je calculais les tout petites que je n'avais pas calculées. Donc, c'est à peu près équivalent. Peut-être légèrement plus dans la terre, mais quasiment équivalent. Au niveau des Jazzy, c'est là qu'il y a une grosse différence et je pense que je peux l'expliquer. C'est-à-dire que j'avais 30 pommes de terre d'un bon calibre, plus 21 un petit peu plus petites. J'en avais 5 que je n'ai pas calculées. Fait que si je ne les calcule pas, je suis à 51 pommes de terre Jazzy pour une moyenne de 13 pommes de terre par plant. Donc, au niveau de la quantité, c'est celui que j'ai le meilleur résultat. Par contre, les pommes de terre sont plus petites. Donc, si j'avais calculé plutôt en kilogrammes, il y aurait une différence. Probablement que les rouges, ce serait équivalent avec les Jazzy ou, probablement équivalent avec les Jazzy. Dans ma parcelle, en fait, sous foin, j'avais une moyenne de 8 pommes de terre Jazzy par plant, ce qui est quand même beaucoup moins que 13. Par contre, j'en avais encore là des tout petites. Donc, si je rajoute environ 2 pommes de terre par plant, je serais plus à une moyenne de 10 pommes de terre sous foin si j'avais laissé les pommes de terre plus longtemps grossir. Donc, il y aurait une différence environ de 3 pommes de terre par plant. Finalement, il y a mes chaleurs que j'avais au total 17 pommes de terre. Donc, c'est celui qu'en quantité, j'en ai eu le moins. Par contre, c'est les formats les plus gros. Ça me donne une moyenne de 4 pommes de terre à ce moment-là par plant. J'en avais pas mis sous foin, mais j'en avais mis dans le sable et ça donnait à peu près 4 pommes de terre également dans le sable. Donc, si vous voyez en quantité, c'est vraiment les Jazzy qui sont les plus qui produisent le plus. Suivi du double fun, les bleus double fun, donc quand même 11 pommes de terre par plant, puis un peu plus gros calibre que les Jazzy, donc ça s'équivaut beaucoup, la Jazzy, la double fun. Au niveau du goût, j'ai goûté à chacune des variétés. Elles sont toutes pas mal bonnes, mais mes préférées, ça reste les Jazzy. Moi, j'aime ça, des tout petites là, pommes de terre à ce moment-là qu'on peut faire sauter dans la poêle. Un petit peu jaune, donc la Jazzy, elle est plus jaune un petit peu. Donc, j'adore. La bleue, elle est très bonne aussi. Puis ce que j'aime, c'est que ça fait de la couleur dans le plat. Donc, d'année en année, je rajoute des bleus. C'est la première fois que j'utilise les double fun. Avant, je mettais les Russian Blue, mais vraiment, je suis satisfaite. Donc, c'est sûr que l'année prochaine, je vais sûrement remettre les bleus, les rouges Norlin aussi, je les ai bien appréciés. Les Jazzy, les chaleurs, j'hésite un peu. Oui, ils sont grosses, ça n'en donne pas beaucoup en quantité. Il me reste juste à voir mes Shiften que j'ai mis, qui sont des variétés à ce moment-là, qui vont être plus tardives, qui sont sous le foin. Je ne les ai pas essayées dans la terre, donc ça va être dur de comparer. Je vais voir si je les réutilise, sauf que je préfère les variétés
qui sont à maturité un peu plus courte. Comme ça, je peux venir à ce moment-là les récupérer plus tôt. Moi, je viens déjà les chercher en pommes de terre nouvelles parce que j'aime ça pouvoir faire à ce moment-là une succession de cultures, comme ici par exemple. Mais je vous l'ai dit, l'année prochaine, je vais essayer de faire que sous foin et pas du tout dans la terre, me laisser plus d'espace pour mettre par exemple des tomates, des piments, des poivrons, des concombres par exemple. Donc, on va voir ce que ça donne une saison complète là, avec juste les pommes de terre sous foin. Alors maintenant, quels sont les avantages de le mettre directement en terre? Premier avantage, la production. Ça semble plus productif. Là. C'est sûr, comme je vous dis, j'ai un délai de 2 semaines, donc ça peut expliquer un petit peu pourquoi j'en ai eu plus sous terre. Mais de base, je l'ai remarqué les années passées aussi, c'est plus productif dans la terre, notamment quand on peut les faire, quand les pommes de terre font en étage, par exemple, comme les jazzy. Donc, dans la terre, plus productif, donc c'est un bon avantage. Un autre avantage de le faire dans la terre, c'est qu'il y a moins de risques à ce moment-là de se les faire dévorer par les rongeurs. Oui, c'est possible, hein, il y a des rongeurs qui vont sous la terre. Par contre, dans le foin, c'est plus facile pour eux d'aller se cacher juste à la surface dans le foin, d'aller manger les pommes de terre. Donc, il peut y avoir plus de ravages quand vous les faites sous foin que dans la terre, par exemple. Par contre, un inconvénient qui vient, moi, un peu me limiter, c'est vraiment le besoin de terre, donc le besoin de le mettre sous terre. J'ai un petit espace de culture, donc je suis limitée dans ma parcelle ici de mon 20 mètres carrés si je ne veux pas le mettre dans la serre, parce que là aussi, j'ai un espace dans la serre, j'ai ma butte lasagne. Mais je préfère mettre d'autres types de légumes dans la butte lasagne. Donc, je suis limitée ici, puis de les mettre ici, ça prend beaucoup d'espace. Je mets juste, j'ai mis au densité maximale. Là. Moi, je mets juste 20 cm entre mes pommes de terre, mais quand même, ça me permet d'en mettre 4 x 4 là, ici, là, on s'entend. Donc, 16 pommes de terre, 16 plants seulement. Donc, c'est pas énorme, mais suffisamment pour ma petite famille, ça, c'est parfait. Mais ça prend quand même une bonne partie de mon potager. Tandis que sous le foin, je peux les mettre où je veux, dans ma cour à ce moment-là. J'ai pas besoin de cet espace principalement là, dans ma parcelle, je peux choisir un autre espace pour le mettre. Aussi, vous avez vu, là, je viens un peu massacrer ma parcelle. Quand on a des planches permanentes comme moi de 75 cm, c'est pas très large. Donc, c'est sûr qu'on essaie de les garder. 75 sont là d'année en année. Mais quand je viens avec ma fourche, par exemple, creuser, ça défait ma parcelle. Donc, j'ai toujours besoin de refaire ma parcelle par la suite. En même temps, ça nous fait retourner la terre. Hein. Vous avez vu, je retourne la terre, il y a plein d'insectes. Donc, ça nuit un petit peu à la vie dans le sol. Donc, c'est pourquoi là, j'ai envie de l'essayer là, totalement sous le foin. Puis, si ça ne fonctionne pas, je vous le dirai l'année prochaine. Puis, je vous dirai, je retourne dans terre parce que vraiment, ma récolte, c'est pas ça cette année. Alors, voilà pour cette vidéo de ma récolte de pommes de terre en pleine terre. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. Au revoir.